circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la troisième manche championnat 1999 de Formule 1. Et si vous êtes un temps, soit peu observateur, vous allez vous dire « Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passé BR? On a une Minardi, il y a 20 points, mais que s'est-il passé? Dis-moi, mais raconte-nous, raconte-nous de ta vie, dis-moi que tu m'aimes. » Non, je rigole. Alors, je vais tout vous expliquer de A à Z rapidement, bon, pas trop perdre de temps. Mais en gros, j'ai eu à Imola un énorme problème, le jeu crachait tout le temps. Et j'ai dû prendre une autre version du jeu qui pour l'instant semble pas bugger. En tout cas, Imola, j'ai fait le test, ça n'a jamais bugué. J'espère que ça va être le cas encore une fois cette fois-ci. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est que la version du jeu étant différente, j'ai essayé de garder la sauvegarde, de la convertir dans l'autre jeu, ça a marché, mais quand je chargeais le circuit, ça marchait pas. Donc, eh bah, tout simplement, j'ai dû recommencer le championnat à zéro. C'est génial. Mais petit point de détail. La phrase, il faut pas trop la dire en vrai, bon, c'est pas un petit point de détail quand même. On a changé de pilote, donc on est avec Sarrazin cette fois-ci, qui est aussi un pilote qui a fait quelques piges, Mika Salo chez Ferrari et BAR, mais Sarrazin qui a fait une pige, on se rappelle, à Interlagos au Brésil chez Minardi. Et du coup, j'ai dû recommencer, j'ai fini deux fois premier. Donc décidément, ça change pas grand chose au championnat, c'est pour ça que je me permets de refaire à zéro le championnat là. Mais on a augmenté d'un cran la difficulté, on est maintenant en difficulté maximum. Et c'est bien vous dire que ça change pas grand chose, sincèrement. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de différence, si ce n'est en qualification. Et ben là, écoutez, on va partir pour la troisième course du championnat à Imola. J'espère que ça va tenir. J'ai fait des tests, ça avait marché, faites que ça tienne encore s'il vous plaît, je vous en prie. Parce que si ça marche pas, on est vraiment dans la merde. Oh, vendredi il va pleuvoir. Alors par contre, je vais faire les qualifications, on va régler la voiture. Et on va mettre réglage des ailerons moyens, secteur, on va le laisser comme ça. Par contre, rapport de vitesse, on va le remettre plutôt court. Parce que Imola, c'est quand même assez court. J'espère que ça va tenir, franchement, je vais lancer les qualifications. Si ça ne marche pas, dans toute sa splendeur ici à Imola, le on va prendre exactement le même temps, voilà, 29. On attend aujourd'hui 200 000 tifosi passionnés pour assister à cette course exceptionnelle. Allez, c'est parti. Si là ça tient, j'aurais pas tout fait pour rien. Faites que ça tienne, j'en supplie. J'ai fait un test en version normale, ça ne crachait jamais, donc ça devrait pas cracher à nouveau ici. Ça crachait toujours quasiment au milieu du circuit. Et donc on était avec Minardi, alors la Minardi est plutôt une voiture plus lente, hein. C'est quasiment la moins bonne voiture du jeu avec la Rose. Elle est pareille, franchement que la BR était pas très forte, la Minardi n'est pas non plus, elle est même encore un peu moins forte. Et finalement je trouve qu'en version, la version du jeu en version difficulté maxi, eh ben, n'est pas infaisable, hein. La preuve, j'ai le même nombre de points qu'avec la BR Honda, j'ai deux victoires d'affilée. Et je vais vous dire, je l'aurais même mis encore plus devant dans les deux premières courses. Alors après, je connaissais le circuit par cœur, donc effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Et là, ça va être un peu le cas aussi. Sur ce tracé, je vais essayer de ne pas gruger dans la chicane, parce qu'on pourrait prendre la chicane à fond, concrètement. Mais on va pas le faire, on va rester sérieux, on va essayer d'être propre. Voilà, on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Pour l'instant, ça se passe bien. On est parti pour le tour lancé. Je rappelle toujours deux tours de qualification, pas plus. Pour essayer de faire mieux après le premier tour si on le loupe. Donc
pour le moment, on a 8 secondes d'avance au Schumacher. 8 secondes! Et je me suis loupé. Alors, comme d'habitude, il faudra pas se faire voir par les temps autour, enfin les secteurs hein, qui sont totalement anarchiques dans le jeu. On est capable de mettre 8 secondes dans un secteur et d'en perdre 15 dans le second. C'est totalement débile. Mais c'est pas grave. Et du coup, de souvenir à Imola, je crois que c'est Coulthard hein, qui avait remporté la course. Ouais, seconde d'avance au Schumacher. Alors, je peux améliorer mon temps vu que je me suis loupé. Ah, la Benetton qui nous gêne un petit peu, faut faire attention aussi, voilà. Et puis être devant nous en qualification, c'est le gros problème. Et donc on va faire un tour en... pole position. Une seconde de d'avance sur Schumacher. Ah, je suis obligé de gruger si je veux le dépasser, malheureusement. Le problème c'est qu'ils sont tous devant, alors pour faire mieux ça va être compliqué. Non c'est bon, ils s'écartent un petit peu. Je tourne une seconde plus lentement. Mais par contre, je pense que j'ai fait un meilleur partiel de sortie. Et vous voyez, la Rose qui fait exprès de se... Et voilà, c'est trop tard, c'est fini. On n'améliorera pas. On n'améliorera pas malheureusement ici. C'est bizarre parce que l'IA a tendance à se décaler même en qualification pour nous bloquer. Et dès qu'elle voit qu'en fait ça ne sert à rien, bah elle bouge plus. Je vais mettre à droite. Elle reste à droite, voilà. Ici. Et là, j'ai pas trop de temps. Oh! Et du coup, on a 3 secondes de retard sur notre temps autour, donc ça sert à rien. On va faire fin de qualification. Et on va donc commencer la course. Et on va partir premier. Pole position donc. Donc c'est parti pour la course. Alors ce qui m'intéresse, c'est pour l'écart quand même. J'ai une seconde 3. Non, j'ai une seconde 6, pardon. Mika Hakkinen. Et en troisième place, nous retrouvons Michael Schumacher. En quatrième, Eddie Irvine. En cinquième place, David Coulthard. En sixième place, Heinz Harald Frentzen. Septième place, Rubens Barrichello. En huitième position, Johnny Herbert. Neuvième place, Jarno Trulli. Dixième place, Damon Hill. Onzième position, Jacques Villeneuve. Douzième place, Ralf Schumacher. En 13e place, Olivier Panis. 14e position, Giancarlo Fisichel. 15e place, Alexander Wurz. 16e place, Pedro Diniz. 17e place, Mika Salo. En 18e place, Jean Alesi. 19e place, Alessandro Zanetti. Marginet qui part dernier encore. Tora Takagi. 21e position, Pedro de la Rosa. Il faut toujours un dernier. Aujourd'hui, Marc Genet. Allez, c'est fini. On va donc démarrer la course. C'est parti! Voilà, départ correct. La Minardi. Le McLaren qui va me dépasser. Qui se décale déjà. Oh, la Ferrari aussi à l'intérieur. Oh, les deux Ferrari. Oula. Oh, il y a eu un énorme accrochage. Ah oui, c'est catastrophique là comme départ, on est troisième. Alors je sais pas si vous avez vu que c'est passé derrière toujours le gros bug du jeu hein, qui a du mal à... Et je dis toujours en stress, j'espère que je... Oh, regardez la Ferrari qui m'attaque. Toujours en stress, que le jeu crash. Pourra se lancer cette fois. Eh ouais, mais il se décale, regardez hein. Il change deux fois de direction, alors derrière Verstappen. Il réduit l'écart, il les sépare. Oh, oh là là, Schumacher. Ça se fait trop pas ce que tu fais là. Ah ouais, mais comme il se décale à chaque fois. Ouh, ça va être compliqué de dépasser là, surtout s'il se décale à chaque fois. Oh,
Oh là là là, mon dieu, c'était totalement dégueulasse ce qu'il m'a fait. Et du coup, on perd énormément de temps. Alors, les troisièmes. Oh, il a bien amoché, on est loin quand même. Et c'est qui a fait meilleur temps autour pour le moment. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Oh, d'ailleurs, on a une McLaren qui a dépassé, je crois que c'est Irvine. Il remonte rapidement derrière lui. Ah, j'ai grindé. Mais j'ai glissé, pardon, pas grave. Va-t-il réussir à le dépasser? Oh, j'ai crevé! Oh, le carton! Ah oui, bah là, par contre, ça va être compliqué. Il va falloir entrer au stand pour réparer. Oh là là, par contre, c'est mort, là. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Alors, est-ce que je peux encore? Oh là, Schumacher, ce qu'il m'a mis! Comme je le hais, Schumacher. On va rentrer au stand, enfin du moins on va essayer. Il reste 10, 15, 17 secondes, alors du coup on va repartir très loin. 10 secondes encore, on est 12ème, très bien. On va partir dernier hein, je pense. Hein. 4, 3, 2... Allez, 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 on est reparti, go! Le mec est assez petit cœur d'ailleurs. On va partir 17ème. Voilà exactement ce que je voulais dire. Je sais pas ce que t'as voulu dire, mais en tout cas, c'est pas cool. Et du coup, on va repartir dernier. Enfin, 17ème, il faut remonter tout ça. Alors, je pense pas que ce soit impossible dans ce jeu, mais heureusement qu'on est au 3ème tour. Ah ouais, alors là, l'accident avec Schumacher. Je suis resté trop près, hein, c'est pour ça. Et Coulthard qui a abandonné devant nous. On va essayer de remonter. Ah, c'est dommage, on était quand même sur le podium. On a quand même une voiture de niveau top 3, enfin en tout cas, pour pouvoir rattraper. Je ne peux pas le croire. Ah, il va y avoir un nouvel abandon. Il remonte rapidement derrière lui. Dans la ligne droite. Bon, il se défaire de la Williams. Il essaie pas. Oh! Il l'a fait avec une telle facilité. Ah, je crois qu'il a abandonné en fait. C'est pour ça qu'on s'est planté. Oh là là, j'ai esquivé, mais c'était chaud. Il remonte rapidement derrière lui. Ouais, je pense que si on arrive aussi vite que les trois premiers, on devrait pouvoir monter. Ouais, j'ai déjà recassé mon aileron. Là, il va falloir être incisif. Hein. On va pas pouvoir rester trois tours comme ça. Il réussira à le dépasser. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Ah, allez, à peine 10 devant nous. C'est pas très beau, hein. C'est plutôt vraiment nuageux. Allez, oui, c'est bon. Foufou. Aucun problème. Ah oui, le ralenti. Quelqu'un a un problème, alors je sais pas qui. Du coup, on est 11ème pour le moment. 10ème. Ah bah oui, il y en a un abandon. Je ne peux pas y croire. Oh, j'ai glissé. J'ai glissé.
Allez, on a mis course, ça devrait le faire. Ah, c'est Irvine qui a abandonné. Oh, deuxième coup de théâtre. Pour l'instant, on a quasiment le top 3 hein, qui a abandonné. Que le premier pilote qui est... Je crois que c'est Hakkinen hein, qui est toujours en tête. Et là, je me suis loupé. Allez, salaud. Alors, c'est bien, c'est qu'ils ont vraiment mis les pilotes remplaçants quand ils sont remplaçants. Hein. Là, par exemple, on n'a pas Zantar, non, vraiment salaud. Va-t-il réussir à le dépasser? Oh, la accélération peut-être. Eh non, malheureusement, j'ai été trop peu incisif. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une. Non, je crois qu'il y a un tout à sa voiture. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Ouah! Et c'est bon, oui, c'est passé. Allez, on est 7ème. Oh! Lui. Comme j'ai dû couper! Ah, là, je suis vraiment taqué. Hein. Vraiment, vraiment là. Au maximum, au maximum. Bon, ça bouge le coup des passages dans l'herbe, c'était pas super cool, mais bon. Voilà, on va essayer quand même de se recalmer pour pas que ce soit trop n'importe quoi. Il reste 4 tours, hein, c'est faisable. Et malheureusement, je me suis loupé. C'est plus vite, puis je fais des erreurs, c'est logique. Allez, Schumacher est 6ème. Alors, je sais pas si c'est Ralf Schumacher ou Schumacher tout court. Alors, allez, pour ce moment, on est vraiment plus rapide. Ah, il a l'air d'être gêné en plus, Schumacher. Ah, c'est Ralf Schumacher. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe au freinage. Et non, on s'est touché. Oh, là, il m'a enchaîné. Allez, on est dans les points. On va voir le classement de la course. Schumacher, Hakkinen, Frenzen, Hill, Barrichello. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Va-t-il réussir à le dépasser? Wow, oh, 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 j'étais obligé d'éviter. Va-t-il perdre le contrôle? J'ai même un jet qui est au taquet. Va-t-il perdre le contrôle? Aucun problème. Oh, j'y suis allé, mais c'était compliqué. La Jordan aussi. Ouf, 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 ouf. Oh, c'est passé. Je suis à l'extérieur. Ouais, non, c'est pas sympa. Ah, j'ai donné tout ce que je pouvais là, et c'est bien passé. On est 4ème, allez, Frenzen 3ème. Il va rester 3 tours à couvrir. Et pour le moment, les deux Jordan n'ont pas abandonné. Ouais, ouais, ouais. Allez, on y est presque. Oh, la Jordan qui m'a fait peur à chaque fois. Je sais pas ce qu'ils ont à ralentir à cet endroit. Il remonte rapidement derrière lui. Il semble que ses voitures se sont légèrement heurtées. Et voilà, et c'est l'accident bête. Et du coup, on est 6ème. J'ai raté complètement mon freinage. Et lui aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors on enchaîne les bourdes quand même. Il réduit l'écart qui les sépare. Allez, l'aspiration. Va-t-il réussir à dépasser? À la réaccélération. Oui, c'est bon. C'est l'arbre qui m'a ralenti. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois.
Et si pour dépasser c'est compliqué dans la descente. Allez, l'épingle, accélération. Allez, c'est décalé, du coup on pourra passer. Alors, pas la même, on va faire la même que tout à l'heure. Va-t-il réussir à le dépasser ? Aïe, et ça s'est touché encore. Ah, c'est pas possible. Et ils level leur podium, les Jordan. Les pilotes Jordan, pardon. Il remonte rapidement derrière lui. Il réduit l'écart qui les sépare. Ah, il s'est redécalé, j'aurais pu passer. Oh. Ouh, on était juste derrière, on a fait se le reprendre. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. En fait, faut essayer de les surprendre en changeant de côté au dernier moment. Nous sommes à mi-tour. Ah, il bloque à chaque fois. Comment voulez-vous que j'évite ça? Comment voulez-vous que j'évite ça? Allez, c'est bon, c'est passé. Oh là là, mais mon dieu, mais comment voulez-vous que j'évite ça? Je suis bien plus rapide qu'eux, donc normalement je vais pouvoir remonter rapidement. Ah, c'est le dernier tour, hein, ça va être compliqué. Ah! Le retour en piste dégueulasse. Bon bah là, je suis désolé, hein. C'est pour tout ce que tu as fait depuis le début. Il a atterri dans l'herbe. Ah, ça va être une course complètement brouillonne, hein. C'est dommage. Après, j'étais quand même obligé d'aller au maximum, hein, si je voulais récupérer mes places. Et du coup, ça va être une troisième place, je pense, au finish. Il réduit l'écart, il les sépare. Et non. Et non. Oh, la chicane à la fin. Ah, désolé, c'était trop beau. Là, vraiment, là. Oh, le finish. Et ben voilà. Donc, du coup, on remporte la course. Bon, j'avoue que c'était vraiment, vraiment, je suis le... Ça a été ultra beau, hein, cette course. Il y a pas mal d'erreurs. Là, surtout que Jordan. Bon, du coup, on gagne la course. Alors, du coup, victoire d'un Français, hein. Bravo Sarrazin. Du coup, on a Kinen 2ème, 3ème Schumacher, 4ème Frenzen, 5ème Hill et 6ème Ralf Schumacher. On va voir un peu le classement final. On va voir ici. Bon, moi le jeu ne va pas planter, on va pouvoir continuer, du coup c'est cool. Alors derrière on a eu Jacques Villeneuve qui était 7ème, Mika Salo 8ème, hein. C'est vraiment pas loin des points. Deux gens manquent des points aussi. Il y avait pas mal d'abandon, bah oui, hein, d'Irvine, Coulthard, allez-y. Du coup au championnat on est premier avec 30 points. Mais je vous annonce vraiment à partir de maintenant ça va être compliqué. Parce que là c'était vraiment des circuits que j'ai refait en boucle, donc j'étais vraiment au taquet. Maintenant, là on va redécouvrir et on dit que ça va pas du tout être pareil. Donc Schumacher est deuxième pour le moment, Kinen troisième, Irvine quatrième, pas beaucoup de points d'écart, hein, 13, 12, 10. On va voir le championnat constructeur avec Minardi qui est premier avec 30 points, deuxième Ferrari 23 points, troisième McLaren, quatrième Jordan et cinquième Williams, Benetton qui n'a pas marqué de points, Stewart non plus, Barr non plus, Sauber non plus, Rose Minardi n'en manqueront peut-être pas, je pense, enfin j'en doute.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite à, je pense, prochain circuit, c'est où? Prochain circuit, ça va être l'Espagne. Je sais même plus. Quatrième course de la saison. Non, Monaco, déjà. Déjà Monaco, quatrième course de la saison. Et bien, on se retrouve donc à Monaco pour une vidéo. Ciao tout le monde!